Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ça va? J'ai ça va, c'est bon. Qui c'est qui vient jeudi au procès? Qui c'est qui vient? T'as vu, ils ont perdu leur langue, hein, c'est... C'est... Oui. C'est pas bon ça quand même. Ah non, 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 ne rentre pas, ne rentre pas, non. Le pire, c'est genre, c'est une affiche du film gratuit. Un film gratuit? Bah dis donc, quand tu vois leur film avec les aliens qui se sont sautés dans les volcans. Enfin, normalement, attention, on doit pas connaître l'histoire de Xenu parce que sinon on risquerait de mourir d'une pneumonie. C'est vrai que là on est quand même fin octobre. D'ailleurs, il y a un mec qui il est mort de la pneumonie avant d'avoir fini le truc Scientologie, là, il a pas eu le temps de finir l'ombre. Ah bah même moi, hein, tu sais pas, mais. Elle est pas là, Daniel? Est-ce qu'on voudrait lui fêter un joyeux Halloween? Je suis trop content, Daniel Gounor. Attends, comme disait Roger, Miss Daniel Gougoun. Elle avait porté plainte pour ça. Non, ils ont mis pas qu'elle soit cassée. Ah bah. C'est vrai que tu sais, ils essayent de demander le chemin du bonheur, mais alors moi je les ai vus vendre ce bouquin, ils faisaient la gueule, mais une de ces tronches. Oh, incroyable. Là, c'est ça qui est intéressant avec les sectes. C'est qu'ils pensent qu'on va critiquer leur religion ou leur secte, alors qu'en fait on critique uniquement leurs actes. Daniel, tu veux prendre un verre avec nous? On t'invite, c'est moi qui paie. Eric, il a boudé samedi parce qu'il a été débouté. Il a fait boudin dans son bureau. On peut leur amener des fleurs, c'est pour le bon cœur juste. Mais si vous perdez votre procès, je vous offrirai un beau paquet de mouchoirs. Ah, t'as mis de la caille qui fume, il est sympa. Ah, c'est un monsieur, c'est plus une vieille dame. Non. Et après, à côté, tu vois, tu as le CCDH. Ah, elle est rattachée à l'église de Scientologie. Enfin, si on peut appeler ça une église. Rattachée, non, il y a une. Bonsoir. Tous les deux. Joyeux Halloween. Vous venez ou pas jeudi, en fait? Pour le procès. Pour le procès en appel. J'ai pas envie de me faire cambrioler, hein. Je me demande à quoi va ressembler les premières heures du procès de jeudi, parce qu'apparemment ils ont balancé quelques questions de constitutionnalité pour essayer de, peut-être, hein, gagner du temps. En fait, c'est leur grande méthode, c'est qu'ils essayent de gagner du temps. Bon, en tout cas, il y a un truc qui n'est pas une théorie, c'est que Eric Roux a été débouté. Et donc, samedi, il nous faisait un peu son boudin au lieu de venir sourciller avec nous, parce qu'en fait, il a un tic. Quand il est énervé, il a son petit sourcil qui frémit. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il est légal de porter un masque parce que nous sommes le 31 octobre et donc c'est un jour de fête. Bonjour madame, vous venez jeudi au procès? Je vous laisse une place à côté de moi et on va boire un café après. Ils ont perdu leur langue, hein, définitivement. Hein, En même temps, leur film, il laisse bouffer, hein. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? T'as vu comment ça commence? Pau, ma grand volcan qui pète. Si je me souviens, ils en ont tellement. Je me suis peut-être regardé celui sur les ministres volontaires. Tu sais qu'une fois, on m'a rapporté des bouquins qui venaient du Maroc ou d'Algérie. Ils vont même maintenant dans les pays arabes. Ils sont allés dans les pays en Asie, en Russie, ils se sont fait dégager à coups de pompe. Et puis là, dernièrement, ils ont eu la visite des services spéciaux russes. Je suis désolé pour les portes, hein. J'espère qu'elles pourront servir comme bois de chauffage. Les autorités russes s'y ont mis le paquet. Hein. Les ministres volontaires, j'aime bien leur action, c'est pas mal. C'est style prêcher le bon pour après prêcher le personnel. Tu veux parler des sinistres volontaires, non? Ouais, c'est ça. C'est énorme, hein, quand même. Monsieur, bonjour, vous venez au procès jeudi? Parce que j'ai entendu dire que ce serait fort intéressant. Et puis comme ça, en plus, on peut apprendre un petit peu sur la manière de fonctionner. Puisque vous dites ne rien avoir à cacher. Peut-être leur demander des moments vu que ça lui.
Ah non, non, moi je touche pas leurs bonbons, ils seraient capables de nous mettre de la niacine à la place. Ils en donnent aux enfants. Ah, en fait, d'ailleurs, je tiens à vous dire que les services sociaux étaient alertés pour votre sonar Unolay. Vous avez personne de titulaire du BAFA, je pense. Bah parce qu'il faudrait peut-être faire breveter les personnes qui s'occupent des enfants. Ah, ils ont des murs, quoi. Alors, je sais pas s'ils sont mal à l'aise, s'ils ont peur parce que c'est Halloween, ou alors s'ils sont devenus muets. Il y a peut-être un souci d'étranger, quoi. Ou alors c'est le procès de jeudi, tu sais. Est-ce que Eric, il a dû repartir en éthique à cause des mauvais chiffres de la Scientologie? Parce que nous, on a reçu les chiffres annuels hein, de toutes les églises d'Europe. Enfin, si on peut appeler ça une église. Hein. Et apparemment, vous vendez pas grand-chose en ce moment.